présente l'un du leader pour l'instant de la coupe du BCD, Philippe Tesson, largement devant avec son numéro 46. Ah, il va rester deuxième, juste là derrière. Bon, attention, ça bouge beaucoup là-bas. Allez, pour Brice Barret, il a pris la tête devant Philippe Tesson, Kevin Bigorne en troisième position avec son numéro 12. Benjamin Tupoulik, la cinquième position sur ce virage. Petite passe d'armes là-bas à l'arrière, ce sera une place de mieux pour Erwan Guilloux. Allez, à l'avant. Est en train d'assurer un petit peu derrière, de ne pas aller trop à l'attaque. Il faut absolument qu'il assure ses points, qu'il assure cette finale. Il ne faut pas casser pour rien, aucun problème pour Philippe Tesson, de manière à pouvoir assurer de façon quasi certaine sa première place au classement. Troisième position, maintenant juste devant Laurent Jiquel. Allez, on est dans le dernier tour déjà. Benjamin Tupoulik et Erwan Leclerc. Il y a déjà quelques bonnes longueurs d'avance là pour le duo de tête. Brice Barret, Philippe Tesson. Allez, c'est Annika. Pour Brice Barret, Philippe Tesson. Deuxième. La première série, carte open, troisième manche. Pour ceux qui n'ont pas pris les points avant, est-ce que quelqu'un peut lui enlever son sifflet, s'il vous sur le premier tour qui l'amène un petit peu loin de ses adversaires.
Cette fois-ci, ça va être compliqué pour lui de revenir sur les concurrents qui le précèdent. Allez, Philippe Tesson qui passe là-bas aisément. Oula, action. Il est passé en troisième position, juste devant Brice Marais et Erwan Demiou. Attention, hein, toujours l'épingle, dangereux, très compliqué à prendre pour tous les pilotes, surtout avec un petit peu plus d'humilité, mais ça pousse. Légèrement en remontant, ça va très très vite et on arrive avec des vitesses de pointe en bout de ligne droite entre 110 et 120 km/h sur en bout de ligne droite ici. Et tout en glisse. Et ouais, ça peut mettre plus mal à la pour s'enchaîner, on va pouvoir garder la piste la plus propre possible. Là, ça va être une victoire s'il n'y a pas d'erreur de la part de Philippe dans la dernière épingle. S'il n'y a pas d'erreur de sa part, ça va passer et il va venir remporter cette troisième manche. Et,